Vraiment? Elle m'avait dit que... Attendez-moi dans mon mariage. Ils sont mignons. Les gens se marient. Tu vois, c'est comme ça, mon chéri va me demander en mariage. Oui, ma fille, elle est chic, elle est belle. Le jour de ton mariage, ah non. C'est toi, tu ne les connais pas, ceux-là. Ils aiment futuring, ils se marient entre eux. Roger, attends. Mais non, mais qu'est-ce qu'il y a? Roger, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu viens de faire là? C'est qui? Nani, qu'est-ce qu'il y a? Mais Nani, c'est qui? C'est une collègue de travail. C'est moi. Quoi? Je suis ta collègue. Mais ma maman, c'est de lui dont je parle. Attends, mais tu te prends pour qui là, toi? Oui. Tu te crois où là? Hein? Attends. Bon, écoute, je te présente Rachel. Hein? C'est ma fiancée. Ah? Ma future épouse. Nani, Nani, c'est bon, allons-y. Qu'est-ce que tu me fais? C'est bon, allons-y. Oh, laisse-moi. Qu'est-ce que tu me fais? De quoi est-ce que tu parles, en fait? Ma soeur. Tu parles de quoi? Écoute, chérie, excuse-moi, tu m'as pris deux petites minutes. D'accord? D'accord. Viens. Ma chérie. Bonjour, tu as vu son sang? Ouais, c'est quoi le problème? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais Nani, attends, je t'ai donné tout ce que tu voulais. Tout ce que tu as voulu, tu l'as obtenu. D'accord? Et tu voulais quoi d'autre en fait? Tu comprends pas? Genre, le mariage, quoi. C'est ça? Mais pourquoi tu es venu? Genre, tu voulais qu'on t'appelle madame. Ouais. Mais tu n'as pas fait quoi, madame? Écoute, tu sais, on va se parler franchement. Hein. À part ton corps, qu'est-ce que tu peux m'offrir d'autre, dis-moi? Folie. Non, parlons-nous franchement, je sais pas. Peut-être que tu as une information à me donner, je sais pas. Mais à part ça, qu'est-ce que tu peux m'offrir? Mais excusez-moi, est-ce que vous lui avez dit que vous avez quelqu'un? Attends, vous, des grandes filles comme ça, vous savez pas qu'à Abidjan, ici, tout le monde a quelqu'un, vous savez pas ça? Avec tout ce que tu as fait pour elle, là? Oui, justement, avec tout ce que j'ai fait pour elle, elle doit arrêter là. Elle doit s'arrêter là, maintenant. Ah, ça suffit. Écoute, mon problème avec toi, c'est que tu n'as aucun projet d'avenir, en fait. T'as aucune qualification, aucun diplôme, t'as aucune petite formation. Non, 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 je dois lui dire, c'est bon, non, il faut qu'elle sache pourquoi, il faut qu'elle sache ce qui ne va pas. Tu penses que c'est ta camarade? Elle a des diplômes, hein? Et puis c'est pas tout, je ne vais pas tout te dire, mais attends, tu veux qu'on t'épouse, mais il faut avoir un minimum de bagages. Attends, mes enfants, tu comptes leur apprendre quoi? Tu comptes les éduquer comment? Tu comptes leur enseigner quoi concrètement? Non, dis-moi, sincèrement. Écoute, ma chérie, il faut que tu redescendes sur terre, d'accord? Ouais, il faut arrêter de rêver. Les filles comme toi, c'est juste pour le fun, quoi, en fait. On fait pas du sérieux avec des filles comme toi, d'accord? Et puis... Non, vas-y! Ma camarade, c'est... Écoute, réveille-toi, après, tu vas aller présenter...